Ancien sénateur Guy Philippe fait tout le monde saisir. Li écrit Vladimir Poutine une lettre tout l'ouvri. Et dans lettre ça, monsieur adressé divers problèmes que Haïti a fait face. Et monsieur demandé à monsieur Poutine pour prendre plusieurs décisions pour lui. Et selon toute dernière information que nous gagnons, et nous allons attendre ancien sénateur qui a parlé même, qui a expliqué à qui ça le mettait dans le contenu ça. Et bien, Guy Philippe pratiquement pour le bénéficier d'un gros coup de main dans la Russie. À travers l'aide ça que monsieur mettait d'ailleurs, il voyait dans plusieurs pays, et surtout dans l'international là, il voyait dans l'OEA, il voyait dans les Nations Unies, il voyait dans la justice du pays kenyan, il voyait dans la Russie. Et l'ivoyer le la Chine dans l'idée pour capable demander yo secours pour Haïti. Ancien sénateur à travers une interview que lui partageait, il expliquait tout détail que me parler pour me faut attendre rapide. Mais dans moment n'a parler là, écoutez bien. L'Haïti commence à gagner de monde qui a pensé réellement pour lui. Haïti Philippe a dit quel que soit Jean, faut qu'il faut pirouette. Donc dans international là pour Haïti a suspendre des problèmes. Il réagit également dans ça qui gawe à nouveau directeur la police là, ancien sénateur a décrit mais ça qui m'aidait nous là côté nous jeudi hein. Dans même interview ça, ou bien pour tendre comment ancien sénateur a dit quelle que soit façon hein, quel que soit Jean, la baille ancien président Jovenel Moïse justice, quel que soit moyen, Jovenel Moïse pas bien pour le dominer yo. Faut tellement pas venir avec information, pas bon détail, m'va expliquer où qui ça qu'a passé actuellement là en bas dans pays d'Haïti. Vladimir Poutine recevoir lettre là en pile qu'est content, monsieur a tapten monsieur Guy Philippe pour dire un mot, monsieur a tapten yon ti parole qui pour faire surtout gagner entre eux-mêmes. Pral gè koz an Haïti. Joe Biden mon cher paré ou, si ça m'tendé là, si ça k'a vinn joine moi là comme information. Mesdames messieurs, m'pral faut tendre tout oui. Donc c'est réellement c'est à ça. Eh bien connaît Moïse Jechal, connaît Joe Biden, Claude Joseph tout nèg qui pratiquement t'est campé en face ancien sénateur Guy Philippe yo, eh bien yo pral gagner un gros problème nan moment n'a pas aller là. Comment nous est-ce que la TV, est-ce que tout bagay en forme? Moi grand pile information, mais je dis m'ta vle focaliser plus dans ça qui gawe à quatre dossiers ça qui extrêmement important et surtout pour monsieur yo on allait bien gagné commandant Julio ainsi connu la police arrêté tout ça dans fief dimanche 16 juin 2024 là monsieur identifié comme un présumé chef de gang dans Tibonette dans localité ça qui est 5e section communale de Saint-Marc. Individu ça spécialisé dans vol de un paquet de vol et il dans détournement camion il s'est à la détourner marchandises il dans assassinat et bien monsieur un gang ça qui est les Timonette là qui a opéré sous plusieurs communes et telles que Semac, Grande Saline, Liancourt, la Chapelle à Caverette et bien monsieur a pratiquement donc commissaire principal monsieur Jude Jean Chéri arrêtez tout ça après sur écran. Donc nous pas bien temps pour parler en pile dans paquet l'obeille, faut que nous ta font pirouette exactement dans quatre dossiers ancien sénateur Guy Philippe Plan, mesdames mademoiselles et messieurs. Avant tout, nous c'est maman Pemba Chaï pas contre la paix importée. Nous c'est FS News Haïti, nous parti. La voix, le son, les images, vous pouvez les retrouver partout. Mais si vous recherchez les bonnes qualités, il vous suffit de taper FS News Haïti sur YouTube et sur Facebook. Nous sommes présents 24h sur 24 pour vous informer. Abonnez-vous pour être au courant de tout ce qui se passe à travers le monde. FS News Haïti, c'est là où la complicité se joue pour atteindre le paroxysme du savoir-faire. Pour exager pas campé, nous parti. J'en connais déjà. Ancien sénateur Guy Philippe a décidé de faire tout le monde saisir. Dans lettre tout l'ouvri qui portait signature à Toan, li écrit à plusieurs pays, surtout dans l'international là, mais li font pirouette exactement dans le pays la Russie, portait lettre ça by Vladimir Poutine, justement pour demander aide, pour demander le coup de main à travers ça qui a passé en Haïti, ancien sénateur Guy Philippe arrête quoi que ingérence la troupe, les États-Unis d'Amérique travaillent jusqu'à ce que yo mène Haïti côté que lié jeudi, selon analyse et approche ancien sénateur Guy Philippe. Ça qui a passé dans le pays là, son bagage qui méritait un pile analyse, puisque chef de gang yo, y a taillé mandat, puisque les politiques yo a fait pas quatre lobbies. Et puis, monsieur force multinationale yo, pas voulu venir en Haïti réellement. En alternant, c'est sénateur qui a décrit pour qui ça le voyait l'état, by qui est-ce qu'il voyait l'état,
qui ça qui a passé actuellement là en dedans surtout pays d'Haïti. Pas oublier non, il y a un pile problème qui a traversé Haïti dans moment. Donc nous nous avons qui réellement à réfléchir. Nous content rejoindre nous là pour nous faire petit parler ça ensemble. Merci parce que vous répond à appel là, nous t'en appel là. Vendredi. Nous chercher un dictateur. Eh ben nous t'es content parce que là n'a cherché sous plusieurs dossiers y compris en son pas où qu'on est comme acteur, mais gagner question ça sénateur Guy Philippe. Force révolutionnaire d'entente nationale frein, eh ben que ou même nous avons signature en bas note là qui écrit et j'en t'ai déjà dit le président de la haute cour de justice kenyane, eh ben sous demande ça pour refus de déploiement des forces kenyanes en Haïti et qui n'actualité a qui font pile remous en pile moun a parlé de qui ça bagaille, faut-il bien c'est ou même qui t'a expliqué nous qui ça question est qui ça nous doit comprendre qui sont qu'a dit population sous démarche ça matin en micro vérité. Bon, je pense que la responsabilité, on est qui dit son leader politique lié, c'est garder pour voir comment le pays est dans sa lia. Et nous prenons quatre occupations et militaires et de 1994 à nos jours. Il va y avoir le pays à rien. Amérique envahi, occupé le pays d'Haïti depuis combien de temps? Et puis après un an, quand on dérapé, le pays a vint plus mal. Donc ça, on a cherché nous-mêmes, c'est solution durable. Oui, moi, j'aime des îles déjà. Et nous écrit, et c'est pas moi-même, c'est l'équipe là, et moi-même, c'est moi qui signe. Et nous écrit, la justice kenyenne, nous écrit, et OEA, Organisation des États américains. OEA également. Nous écrit l'ONU. Okay. Et nous écrit États-Unis, nous voyons pour le Congrès américain. Nous voyons pour la Russie, nous voyons pour la Chine, nous voyons pour l'Union africaine, pour nous dire et dénoncer qui ça États-Unis d'Amérique a essayé de faire en Haïti, a fait en Haïti. Okay. Et qui vient tourner en frein pour le développement pays. Donc là nous clair, alors des débats qui clairement dit, m'a qu'on est ou qu'a énuméré quelques bails rapides pour nous là, pour mieux capi bien comprendre, des bails qui nous dénoncer clairement à nous gens dit là, adressés à ces institutions. Bon, premièrement, il y a une mission multinationale qui va même en mission onusienne. Ça veut dire qu'on série de réclamations, nous pas réclamer. L'exemple qu'on a vu là, il a crasé, il a brisé, il n'y a pas aucun cadre légal. Deuxièmement, les gens qui invitent dans le pays, pas président public, il n'y a pas de responsabilité. C'était Ariel Henry qui est le premier ministre. Il n'y a pas de chef de l'État. Donc, loi internationale claire. Donc, Ariel Henry n'a pas aucun capacité légale pour inviter les troupes étrangères à rentrer dans le pays. Pas de cadre légal. Non, il n'y a pas de cadre légalement. Il a le droit pour inviter troupes étrangères dans le pays. Troupes, ça a été fait. Pas de monde qui a bien fait. Pas de monde qui est sûr de qui ça a bien fait. Tant que vous avez venu de sécurité dans le pays, tant que vous avez dit non, vous avez venu là, puis vous avez venu protéger l'aéroport, vous avez venu l'ambassade, par le ministère, par le national, rien sérieux qui va venir faire pour venir des populations. Et sous ça, sénateur, j'ai l'impression, même le conseil présidentiel qui est là, pas de contrôle sous bagay là. Dernièrement, il y a des informations que tu as partagées ici. J'ai l'impression, même le Sylvie Voltaire, il y a un conseil qui est descendu en bas, c'est accès que tu as besoin pour le garder. C'est un accès pour le balai pour le garder, pour le connaître ce qui a passé dans la base là, comment la base là construit. C'est-à-dire, il n'y a pas de contrôle ni information de ce qui a réglé en réalité. Non, ce sont des ordres totales et tout le monde connaît que l'intervention force ça, la vie là seulement pour venir défendre l'intérêt oligarque haïtien et l'intérêt ambassade américaine. C'est pas rien que vous venez faire. D'ailleurs, après, comment le pouvoir qui est en place là, c'est l'ambassade américaine même qui fait. Tout le monde voit que c'est sous pression américaine que pouvoir ça, que c'est conseil 9 membres, que c'est premier ministre. Tout le monde connaît que le premier ministre, il était premier ministre, ils ont retiré. Pour question, c'est IRH, COB qui a été débloqué et pour reconstruction Haïti, et que vous avez dit famille Clinton, c'est qui représente l'intérêt, vous avez été mal passé, en pile, vous avez même accusé, et d'ailleurs, vous avez un mandat d'ailleurs pour ça, c'est le 16 mai avant là, pour le cas rentrer en Haïti, vous avez retiré le mandat. On parle de Gary Goni. Gary Goni, 16 mai tout passé là, que pour le cas venir là, premier ministre, il y exige que vous retirez le mandat, et vous retirez le mandat immédiatement. Donc, pas un monde qui. Égaré, même l'intérieur de dernièrement, soi-disant, en discussion entre CP et Premier ministre, son bluff. Tous deux gagnent même mettre. Oui, tous deux entités gagnent même mettre. Tous deux travaillent pour le même monde. Celle ça, on veut là, c'est piller Haïti et puis craser VIA. Donc, moi, j'ai écrit l'être là, moi, j'ai écrit l'être là, j'ai une responsabilité, et à qui équipe, moi,
pour nous dénoncer bagaille ça pour nous demander pour nous bonne aide. D'ailleurs yo dit a voyé 2500 militaires. On aurait plus que combien 100 000 jeunes haïtiens qui t'a aimé rentrer dans l'armée qui t'a aimé servir pays yo. Nous gontien pour l'armée d'Haïti dans l'état nous écrit lui nous dit pour ça on va renforcer l'armée d'Haïti avec police nationale à comme ça qui a bien dépensé pour équipe nèg c'est boy a bien boy violer monde bay choléra bay maladie et puis tourner la caillou donc moi dis yo pour qui ça on va investir avec l'agence ça pour yo faire l'armée dans vinn jam pour faire police nous vinn jam bay nèg yo formation équipe nèg yo pour nèg yo même yo cap faire face à criminalité que Haïti a vive et aujourd'hui là donc c'est ça nous dit nous nous expliquer maintenant qu'on va dépenser avec comme ça notre cap bon l'armée sérieux dans le pays avec comme ça nous cap bon police nationale bien équipé bien entraîné cap aider nous joindre une solution de façon durable à problème insécurité ça nous de connaître sénateur et monsieur c'est à quoi cob pas nous pour nous renforcer police pas nous pour nous renforcer l'armée pas nous parce que monsieur ça va pas d'argent pas nous cob pour nous renforcer tu me t'habite au bal prend cob là puis au faire font force vini mais si nous besoin sécurité c'est cob pas nous pour nous renforcer la police, pour nous renforcer la Médaïti. Non, nous pas faire tout. Même si n'est pas capable. Mais son pays n'a fait. Son pays n'a fait. Est-ce que vous pensez que n'est Kenya va venir là, va aller dans corridor, il va venir bataille pour nous dans tout de tout côté pour bonne sécurité pour le monde. Il va venir faire. Non. Faut que nous pas bailler tête nous mentir. Nous gain l'armée nous, nous gain jeunes nous, nous gain police nous gain bailler ça, entraîner yo, encadrer yo, équiper yo, payer yo bien. Parce que on l'état s'ouvre les sécurité, faut investir pour les sécurité. Par contre si par contre, si tel fois quand t'as abordé ce boulot, c'est ça. D'après le moine Bruno, bon, c'est pas de bon qui clair devant nous. Et comme si mandat force à est presque fini, tout même pas pendant beaucoup même commencer là, non? Eh, mais mandat la fini, hein, c'est pour un an de débat du mandat. La fini en juillet là. Pas tel beaucoup rentré. Il beaucoup rentré, mandat est fini. Bon, l'autre cop va le débloquer encore. Et comme l'a déjà fait. Comme l'a fait. Pour nous comprendre le problème, non? Parce que moi écrit et moi voyez plusieurs lettres, c'est pas seule lettre moi voyez pour payer ça. Le okay. Problème Haïti a son problème social lié. C'est la misère qui l'a gagné dans sa nia là. Base la misère, c'est corruption, c'est mauvaise gouvernance, c'est ingérence américaine dans l'affaire interne du pays d'Haïti. C'est eux qui mènent et qui mènent côté nia là qui viennent vivre le problème là. Nous n'avons pas un problème de sécurité là pour question seulement que la police va faire travail, l'armée travaille, après faire travail. Tout autant. Nous pas faire ça pour nous faire pour nous résoudre problème social yo il y a toujours joindre problème ça et police avec la médaille il y a toujours tout le temps à éteindre du feu faut que gouvernement yo faut que mon cap dirigeant suspende corrompu faut que suspende voler cop pays faut que investi pour le cap créer alors ça va parler là grand pile contradiction sous les alors sous opinion pour là sous question et amnistie gamon qui clairement chaque fois on parle de eux qui ont même yo deal c'est Guy Philippe a demandé amnistie pour gang ou qu'on réponse claire au cabal sous dossier ça mon cher chaque fois les gueux se crasent en pays volent en pays détruisent en pays occupent en pays yo toujours joindre un secteur dans la presse qui fait presse mensonge presque a bail menti presque a travaille pour eux et puis eux même pour bombarder monde yo créer situation là aujourd'hui là pour nous joindre Haïti que nous gagnons là pas parce que c'est par hasard pour que nous ayons toutes les âmes dans la main, dans la zone défavorisée. Côté de rejoindre, encore une fois, qui est-ce qui va y aller? Côté de rejoindre, côté de rejoindre, comment vous achetez les âmes? Côté de rejoindre, comment vous achetez les munitions? Comment on paye les États-Unis fait quitter toutes les âmes, toutes les munitions sont sorties de la Kali sans que le bagage contrôle l'île? Première puissance dans le monde. Donc, il faut que nous posions des questions bien. Donc, l'homme parle de l'amnistie. Autant des nègres parlent, oui, qui font l'amnistie. Oui, moi, dis-moi, et me camper derrière samedi, pour nous jouer une stabilité. Oui, pour nous jouer une stabilité, pour nous jouer une tranquillité, il faut qu'il y ait amnistie qui baille. Et amnistie offrie. Et amnistie qui a offrie, ce n'est pas seulement pour délinquants à sapate, ni pour délinquants à cravate, tout. Et surtout pour délinquants à cravate, parce que c'est délinquants à cravate qui baille délinquants à sapate. Donc si nous voulons arriver pour nous mettre sécurité, stabilité, pour touristes qui rentrent dans le pays, pour les gens qui viennent investir dans le pays, pour les Haïtiens qui vivent à l'étranger, qui rêvent de retourner dans le pays, qui viennent dans le pays, nous même faut créer un environnement comme l'État, faut créer des conditions pour les gens qui viennent vivre dans le pays, viennent faire touristes, viennent investir dans le pays. Alors, là, dans la question de l'amnistie, il y a un chapitre qui est extrêmement important. On a parlé de surtout et commission, on parle de ça également, justice et de vérité. Ça sont gros lots parce que pour le monde, alors, il est clair, on ne peut pas parler d'amnistie sans que nous pas garder le système judiciaire que nous avons là pour ne pas remettre la question pour une justice qui est correcte tout d'abord.
Moi, t'as des gens qui parlent de l'amnistie, qui dit que Philippe dit, voilà, l'amnistie est gang, qui Philippe dit, c'est la gang qui a réglé. C'est ça, nous, c'est pays, pays, pour vous remonter. Vous bien qu'on est. Puis, l'homme parle de l'amnistie, on me dit qu'il y a plusieurs points. Il y a une commission véritaire. Pour nous venir, pour dire, mais ça me fait, venir accepter tout le fait, et nation. Il y a justice là. Après, il y a une considération pour vous, on pardon. Et après, il y a une réinsertion dans la société. Et ça, c'est trois cas pays qui font, et on a un problème grave dans nous, dans l'Afrique du Sud. Même les États-Unis sont faits là, dans les années 80 là. Tout côté a fait, Colombie sont faits avec le président Santos, République Dominicaine fait avec Juan Antonio Guzman qui débat Boroni Cuentanueva. Tout côté a fait. Mais Haïtien lui-même, il bien qu'on est que Amnesty m'a parlé, c'est pour tout le monde, pour nous réconcilier le pays, pour nous mettre base, pour nous faire une conférence nationale souveraine, pour nous faire un dialogue national, pour nous jouer Haïti besoin. Tout le problème, c'est la terre. Il y a brisé. Tout le problème, c'est dans la commission. Oui? Parce que là, il a réfléchi, il dit quatre commissions, il va mettre vérité, il va mettre lumière sur moi, il va arriver à atteindre. C'est une commission, en pile fois, avec le père, mais je suis touché à son amnistie. Ya? Mais ça, il ne peut pas comprendre. Tout le monde dit que la commission de justice là. Avec vérité, ils pensaient que cap tout le temps à cabrer la justice parce que ils ont bien appuyé les États-Unis, c'est sous l'ordre ambassade qui a fait toutes les autres. Non, le peuple a joué, il a jugé, il a condamné. Parce qu'ils ont fait payer à trop tort. Si je dis à la nous, tous les jeunes, dans le ghetto, qui a examiné, c'est parce que chaque grand ministre, chaque grand premier ministre, chaque grand président quitté ambassade a joué dans la tête, ou bien pas. Ils ont tellement aimé l'argent, ils volaient tout ça qui rentre dans le pays, qui nous permettre nous mettre base pour une société plus juste, qui plus égalitaire. Ils ne pas mettre l'école, ils ne pas mettre travail, ils ne pas créer aucune condition pour l'agriculture dans la vie. En réalité, pour nous faire le peuple nous manger, le peuple nous lever, par contre, comme l'abdomen. J'ai une personne qui vient de femme, à marcher dans la rue chaque jour, par contre, qui j'ai envie de faire, madame ou obligée à prostituer tête pour le bon manger, n'est-ce qu'ils pensaient que son bagage. Facile, on va parler de morale, oui, haïtien, même si bagaille est dur, haïtien va pas faire ça. Non, haïtien a fait. Tout le peuple a fait. La misère a une extrême. Et seul genre pour nous changer, c'est pour nous combattre la corruption pour tout le monde. Il faut que nous arrêtions, juger vagabond, voler tout comme pays, que nous avons fait au Caribe, que nous avons tremblement de terre, que comme nous avons rentré chaque année pour nous dans le ministère, pour faire route, pour faire l'hôpital que nous voulons, assassin président Jovenel, il faut que nous arrêtions, vrai assassin. Dossier ça coule net en réalité. Justice pour les agents de la faire venir donner en réalité. Faut que les États-Unis revoient nèg nous que le prend là avec les États-Unis en Haïti pour une justice sérieuse tendre et juger comment pour nèg venir assassiner tout le président j'ai autour là. Yo dit oui, justice ça c'est États-Unis appel. Et quand les États-Unis viennent tourner nèg là et fin tendre yo, ils dit et secret d'état. Donc nous pas même cap connait qui mort tout l'emploi. Faut que ça soit suspendre. Haïti son pays souverain. Donc tout bagay sa yo. Fok yo suspend. Fok yo suspend. Donc, moi, c'est ça que moi dit amnistie, li obligatoire. Pendant amnistie, a bien justice pour moun, par exemple, qui victime yo. Moun qui oblige qui déca yo. Donc, jugement fait correctement. Moun, oui, jugement fait. Amnistie, pas de dire, on joue au bon décret ou du ou libre, tout soit fait. A bien jugement. Non, y a tant d'eau. Premièrement, pour qu'il y ait une amnistie, faut accepter ton faire. Faut dire oui, m'fais ça. Et bien, vérité, c'est ça. Faut expliquer comment on fait. Qui est-ce qui faut faire? Qui est-ce qui est amour? Qui est-ce qui est bon âme? C'est parce que vous connaissez ça, monsieur, vous voulez dire réellement. Qui fait qu'on vous fait comme ça? Vous avez la douleur? Oui. Oh, ça fait qu'on vous fait comme ça. Vous volez un paquet de corps, vous mettez dans la République Dominicaine. Vous avez acheté un appartement en République Dominicaine, États-Unis. C'est l'aménageur à vivre, c'est la business. Vous connaissez un programme ça, vous avez fait comme ça, comme ça, vous avez retourné dans la caisse Haïti pour nous payer, pour faire route, pour nous électrifier le pays. Une exotap du yavo pile nek Kenya, ici ton paquet de corps qui va venir faire un. Pour ça, on va aider une fini et pour programme président Jovenel pour électrifier le pays. Pour ça, on va faire plus usine asphalte, aider nous, faire bagaille président Jovenel, le président Jovenel, venir donner réalité pour nous des populations. Pour ça, on va aider une freiner exode rural là pour nous créer et conditions pour nous capables dans la section communale là, pour jouer un service, pour nous vivre côté oui. Donc, Chita là, il y a besoin de. Côté besoin d'aide, nous pas joindre. Côté vraiment besoin d'aide, nous pas joindre. Son équipe de solutions superficielles, tant que vous voyez 2000 nègres, cosmétiques. Cosmétiques net, mais après un an, deux ans, là, Haïti tombe bien mal, et puis on dit, Haïti n'est pas capable de diriger Haïti. On dit que oui, peuple noir, lui-même, n'est pas capable. Et grand monde tête. Bon, il n'y a pas une bonne chance pour nous prouver d'être nous. Il n'y a pas une bonne chance depuis après Duvalier pour nous avoir un gouvernement qui est capable de mettre
et tête lui parce que ambassade américaine contrôle toute bagaille en vérité. Et comme si police nationale pas gagne monde. Depuis combien de temps c'est même directeur général il a changé, il a viré, pas de aucune affaire on a goûté en bas ou cap monter. Sergent, seul bagaille pour gagner pour cap venir chef police ou bien pour cap venir dans et dans grosse structure les police là, faut que vous c'est choule ambassade américaine. Alors pendant sous question ça, ben tout pose question, on garde le comme ancien commissaire dans la police là, nous connaît passage ou dans police là et ce qui est remarquable, qui j'ai regardé là, là n'a parlé de un nouveau directeur général qui sous route prend tête institution ça en remplaçant de Frank Selby, il y a plusieurs noms qu'a cité mais jusqu'à présent, le nom de l'ancien directeur général Normile Rameau li sous pelouse là et c'est lui jusqu'à présent favorable pour arrêter ta sortie et que qualifié comme directeur général police ça. Qui j'ai regardé décision ça, qui ça ne attendre, qui j'ai regardé bon, moi-même, je ne fais peut-être aucune illusion. Tout autant haïtien, nous ne pouvons pas récupérer, nous ne pouvons pas prendre contrôle. Sécurité, nous en main. Parce que nous-mêmes, haïtiens, nous avons décidé. La loi nous permet de décider. Pour dire, mais qui est-ce qui va être directeur général? Mais qui est-ce qui va être DCPA? Selon la loi organique, institution ça, que l'armée, que la police, nous ne pouvons jamais avoir sécurité que nous vivons parce que la sécurité n'a toujours dépendre de l'ambassade. Vous connaissez. Tout le monde a dit, non, mais non, là, que tu as une chef de police. Ou quoi, interview pour vin chef police, c'est l'ambassade américaine qui fait lui. Sénateur? Oui, c'est un interview pour vin directeur général de la police là? C'est l'ambassade américaine qui fait? Il n'y a pas comme chef police, si vous parlez avec mon ambassade américaine, si vous parlez visiter. Et vous voulez dire nous là? Et vous voulez dire nous que Normile Rameau qui a tourné là? C'est un commissaire qui a parlé. Normile Rameau qui a tourné là, c'est l'ambassade qui a pris Bali encore, c'est le département de la police. Donc c'est décidé par l'ambassade américaine. Non, même non, la police gagne loi organique, gagne livre, gagne livre, la police gagne gens pour mon vin directeur et la police, la police. Il n'y a pas de respect rien. Hein. C'est eux encore qui a crasé toute institution de l'État, toute institution pays, et puis c'est eux qui a plein. La loi dit, mais qui vient pour premier ministre, mais qui bagaille pour respecter pour gagner premier ministre. Ils mettent un premier ministre qui va respecter même deux, dans la condition que la loi établit pour gagner premier ministre. Donc je dis à là demain on va avoir saisi pour dire haïtien pas capable, yo te ba étant comme haïtien volel et puis au même encore qu'on filme du feu dans caille là, yo va dire va les dos éteindre du feu dans caille là. C'est comme ça on fait, c'est ambassade américaine qui capitaine structure. Donc ça pourquoi je t'aime river pour nous mon directeur général, c'est nous qui choisir ambassade badin hein. Bon, ou même qu'on la police a très bien obligé à poser des questions ça. Bon, il t'a droit. Moi parler pour une institution. On va parler de dire que la police, qui t'a droit pour d'avoir un agent qui a montré la police là, pour pas d'avoir une liste là, bah ambassade américaine avant. Ah bon? Même les agents qui a rentré dans la police, ça faut qu'ambassade a gagné. Même si agent Pipiti, on va attendre et ça président Maduro dit dernièrement. Président Maduro explique le clair. Venezuela. Il dit au président Préval de Vincotel, il demande elle pour faire l'armée. Il dit oui, il a aidé le faire l'armée. Et puis, là, on commence à prendre toutes mesures pour voir les gens, voir les bagages, ce que en Haïti, le président préparé les dit, ah, il faut camper, l'ambassade américaine pas appelé. Après, président Maduro, il dit, non, il voit le bout, il voit le message là-bas. Président Maduro, quand il a parlé, il dit, président Maduro, il demande le même bagage là. Mais elle vient prendre toutes mesures pour d'avoir les armes, pour les bagages, pour aider le président Matéli dit, un fond de freiner, un fond de ralenti, l'ambassade américaine pas appelé. Comment vous n'avez pas de mesures pour nous battre peuple de sécurité pour l'ambassade dire non? Comment vous mettre en bas, pour dire, mais qui aime nous qui la police, nous, mais qui aime nous qui l'armée, nous? Est-ce que nous avons fait un pays dans l'état ça? Est-ce qu'un pays qui a privé aucun côté, s'il va gagner sécurité, s'il va gagner tranquillité sociale, s'il va gagner stabilité? Pas gagner aucun sacrifice qui est trop grand. Pour joindre sécurité, stabilité pour le peuple, pour nous faire un chemin de développement. Et c'est dans le cadre de ça, je pense qu'on possède une amnistie nécessaire. Donc là, ce n'est pas étonnant si nous arrivons à un niveau ça. Nous avons aujourd'hui la police qui n'a pas même gaffité. Nous avons qui gens qui ont passé là. Les policiers continuent à mourir. La situation continue à dégringoler. Institution censée agir nous dans le moment où nous parlons là. Donc, le blanc, l'ambassade américaine y impliqué à fond et qui a une responsabilité totale dans ce qui arrive, police nationale que nous avons là, ou clé sous ça matin. Premièrement, il faut que nous disions police nationale, non, il faut qu'il soit structuré. Il faut qu'on passe les mecs fait là-dedans, parce qu'en tant que police, il y a trop d'agents qui travaillent pour blanc et qui travaillent pour nous, il n'y a pas de chose à travailler. Il faut qu'on passe les mecs fait. Il faut que nous nettoyions la police, non. Parce que c'est nécessairement appris ça que nous avons Haïti que nous arrivons. Une institution qui est censée colonne vertébrale société. Parce que pas rien qui a fonctionné si la police a fonctionné mal.
pour l'école là si moun nan gen tranquillité pour chita dans classe pour professeur vinn faire cours faut qu'il assure que gen sécurité dehors pour business ça fonctionner faut gen sécurité pour vagabond pas vinn piller dans nuit moun gen vial nan bal a principe les ou faut que la police a bail sécurité pour aller l'église tout bagaille reposer sous dos et sous qualité travail la police nationale a fait dans pays et je dis à police a fait travail qu'elle pas de faire dans place la mais nous pas prendre chance pour une police premièrement que c'est blanc occupé donc les blancs voulez faire monter van insécurité monter van ni regardez pour vous chaque fois on va voter un bagage dans l'ONU qui vient pour avec bagage Kenya ou après blanc monter volume insécurité en Haïti chaque fois qu'on décision pour voir blanc monter volume dernièrement on va aller voter dernier bagage et pour Kenya on va sortir faire Pétionville Pèlerin nèg passer caille par caille ouvert caille rentrer dans caille on veut son bagage consacré fait blanc monter volume insécurité li contrôler police li contrôler bandits. L'elle voulait faire des ordres, il fait. Donc tout le monde perd la vérité, hein? Tout le monde a pris les cordes, pendant qu'on peut mourir. Puis gros problème, nous, ou mettre quoi un frère. Puis gros problème, nous, c'est la misère. Puis gros problème, nous, c'est problèmes sociaux, c'est injustice sociale. C'est à partir de injustice sociale qui fait tout ça à vivre. Et qui ça cause injustice sociale, ça, aussi grave en Haïti, que misère aussi grave, c'est corruption, c'est mauvaise gouvernance et c'est ingérence. Étrangers, surtout États-Unis d'Amérique, dans l'affaire interne pays. Bon, donc, faut que nous, si nous voulons une solution, faut que nous posions un vrai problème pour nous joindre, pour nous garder pour déraciner. Parce que nous avons dit, nous avons parlé avant là. Ou pas, un médecin non pour 1000 habitants non, en Haïti. Ou pas, un infirmier non pour 1000 habitants en Haïti. Bah, grave. Dans la section communale, n'importe femme qui a permis de faire complications parce que dans cette, il mourit. Premièrement, il ne peut pas gagner santé dans la zone. Deuxièmement, pas gagner route, même si vous avez le libre pour aider, pas gagner route pour arriver pour aller dans la santé au cas où bien Jérémy. Donc, où quitte la population à vivre dans condition ça? Et ajouter à cela, sénateur, question Biden, ce n'est pas deux médecins que le prend. Nous perdons plus de médecins. Suite cerveau, nous n'avons pas de gambille. En bon, l'on prend Canada et les États-Unis. Le plus souvent, il y a un monde. Mais après, il y a un monde. 60% moun y a pris ces moun qui déjà médecin, infirmière, qui déjà qualifié. Et là moun arrive dans le pays, il n'y a pas quitté le travail sous qualification de gagner en Haïti. C'est leur job pour le faire. Donc, un moun qui est premier ou bien deuxième classe citoyen en Haïti, il arrive aux États-Unis pour aller en cinquième, sixième classe citoyen. C'est boîte là pour la porter, c'est bagaille. Donc, vous voyez son plan que nous avons gagné pour créer son pays. Et nous comprenons, jeunes qui sont aux États-Unis, nous comprenons qu'au Canada, qu'au Chili, et Brésil, c'est nous même en Haïti qui mettons au dehors. C'est nous pousser dehors. C'est nous pousser dehors qui mettons au dehors. Nous pas capable critiquer. C'est nous pas offrir rien qui fait qu'il devient. Mais qu'on y a nous même. Si nous voulons nous dire nous aimer Haïti, la pensée pour Haïti. Quand nous posons vrai problème, dis vérité. Tout le monde peut. Le même fin de la voilà. On va aller Maggie, on rage, quand on parle blanc blanc tout yo. Tout le monde peut. Y a pas tout le monde peut. Et voilà, c'est là que nous commençons la vidéo pour aujourd'hui. Merci d'être regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et pas oublier d'abonner avec la chaîne là si vous pouvez faire ça. Et activer la cloche de notification pour pouvoir recevoir une notification de chaque vidéo que nous postons sur la chaîne là. Et pas oublier de liker la vidéo pour pouvoir toujours recommander la vidéo. Merci, nous vous croisons dans la prochaine vidéo. Ciao!